Hello tout le monde, c'est Asa. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on va jouer à Space Engineers, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi j'ai super chaud, putain de merde. Ouais voilà. Et dans ce nouvel épisode, les loulous, on va... Déjà je crois qu'on va devoir réparer, parce que j'ai dû partir un petit peu précipitamment l'autre fois, voyez-vous. Et je crois que je n'ai pas réparé les différents dégâts que m'ont causé ces saloperies de météorites. Avant qu'on répare, je pense que je vais réarmer et je vais préparer... une défense supplémentaire. Parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et il faut aussi que je regarde si mon vaisseau, je peux pas l'envoyer tout seul en train de patrouiller ou un truc dans le genre. Voilà. On sait jamais. Des fois que. Parce que je crois que les drones ça existe. Monde Asomania chargé. Ouais, voilà, j'étais en train de réparer, je crois. Je crois que j'étais en train de réparer. Il me semblait que j'avais fait un coin dans le par ici. De réparation, ouais, enfin peu importe, c'est pas vraiment important. Là, le plus important, c'est what? C'est que tout de suite on fasse plus de def, parce que ça va pas du tout. Donc, roquette. Qu'est-ce qu'il me faut? Ordi, moteur, grand tube, gris, composant et plaque. Et pour ça, il me faut juste des petits tubes en plus. Ah non, des plaques intérieures aussi. Ouais, il me faut beaucoup de choses quoi. Très bien. Bon, alors attends. Cargo. Alors, on va commencer par ça dans un premier temps. Donc, il me faut ça. Ouais, 200, c'est... Ouais, peut-être 200, c'est un peu too much, hein. Bon, attends, déjà, j'ai 700 plaques sur moi. Ça, c'est aussi un peu too much. Ouais, 300, ça suffira. Ensuite, il me faut des grilles, apparemment. Donc là, on va en prendre 50. Il me faut des moteurs, également. 50. Il me faut quoi d'autre? Plaque intérieure. 40. What else? Ah, les petits tubes, ouais, c'est vrai. 100. Quoi d'autre? Ordi. 80. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. On va prendre ça aussi pour le jetpack. Et je crois que c'est ok. Alors on va mettre... Oh putain, il y a un adversaire qui arrive. Et on a des trucs qui arrivent. Oh mais c'est génial. C'est génial. Tout en même temps, nouveau mon pote, c'est n'importe quoi. Je l'ai loupé. Alors au moins j'ai défoncé son armement je crois. Ce qui est déjà une bonne chose, remarque. Tant le concept c'est de lui péter sa gueule. Alors pourquoi les missiles ne se rechargent pas plus rapidement, je ne sais pas. Tombe. Tu veux pas tomber hein. T'as pas envie hein. Tu m'emmerdes, tu sais ça. Merde. Voilà, là tu vas tomber. Toujours pas. Et là, là tu tombes. Ciao. Le problème étant réglé. On va reposer ce vaisseau d'une manière assez gentille. Il y a un énorme trou là-bas qu'il faut que je gère. Et la descente était également trouée. La descente n'est pas vraiment un problème tout de suite là maintenant, mais plutôt l'autre trou à côté là. Bon, le truc de météore est passé. On dirait que ça n'a pas touché. Et heureusement pour nous, notre base. Oh la blague! Putain, ils veulent me flinguer maintenant ou comment ça se passe? Putain, il est pas tombé loin lui. Bon, ça va, on a de la chance. C'est pas tombé sur le truc. Alors on a. Alors ça c'est très bien ça. On a ici un tube, ce qui est pas mal, parce que ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va démonter ce tube là. Bah oui. Normal. Nature. Petite merde. Et il veut pas. Jetpack éteint. Gaz machin de la bottle. Très bien. Maintenant, est-ce que tu viens te poser ici, espèce de gros con? Voilà, parfait. Très bien. Et à la place, on va mettre un... Oh la vache. Oh, il va m'énerver. Je te jure qu'il va m'énerver. Non mais... Oh!
Oh là 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 là. Mais comment on peut être aussi débile? Non mais sans blague! Est-ce que tu veux bien... Est-ce que tu veux bien... Alors attends, regarde, on monte jusqu'en haut pour voir, déjà, de base, d'entrée, voilà. Lâche-toi, voilà, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu veux bien poser ce putain de truc? What? Le jeu a planté. Sans blague. Oh, ce foutu lag. Ok, très bien, bon, parfait. Non, ça va, y a pas de problème. Je gère la situation, les amis. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Putain, je croyais qu'il allait tomber, je te jure, je me serais énervé de nouveau. Bref, peu importe. Continuons. Continuons, poursuivons, on va y arriver. Deux, hop, petit tube là. Cette antenne, elle est assez mal placée, là, je trouve. Ouais. Alors, attends. Cette antenne est relativement mal placée. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un étage, là? Ouais, on rajoute un étage, hein. On rajoute un étage. Ou alors on démonte l'antenne. On pourrait démonter l'antenne aussi, hein. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà rajouter le rocket. Il se fout de ma gueule, je te jure, il se fout de ma gueule, c'est hallucinant. Voilà, tu vois quand tu veux. Eh, c'était pas compliqué pourtant. Incroyable. Bien, pour le construire, maintenant ça va être autre chose, ça. Ok, on va se mettre au-dessus, hein. Je pense que ça va être bien aussi. Mais je sais pas ce qu'il fout ce perso, c'est assez incroyable. Ou alors c'est moi qui suis complètement débile, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas facile, hein. Vous avez besoin de grands tubes d'acier. Maintenant que je suis en haut. Casque off, on s'en fout, on est sur Terre. Bref, peu importe. Grand tube d'acier, où es-tu? Là. 6... La blagounette. Bien, pose-toi dessus maintenant. Voilà. Bravo, tu es un génie. Voilà, on a une tourelle à missiles. Très bien. Maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va pas tomber. Ok, on va essayer de... Voilà. Je vais poser ça là. Histoire d'avoir un accès rapide à ça. Bien, alors, désactiver le bloc, non pas du tout. Tourelle à missile, affichez, tire une fois, tirer. Je sais pas où t'as tiré mon gars, j'espère que t'as pas tiré sur la base. Ouais bref, je sais pas si t'as tiré sur la base, si t'as tiré sur la base je te pète la gueule. Hop, voyons voir. Parce que je crois, viser les météores, off, voilà c'est ça. Viser les objets en mouvement, on. Viser les missiles, off. Cibler les petits vaisseaux, on. Ok, alors pourquoi pas les météores? Parce que ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas, du moins pas avec lui. Je veux pas tirer sur les météorites avec lui. Je veux, au contraire, je ne veux pas, tout simplement parce que on utilisera trop de missiles pour ça. Trop de météorites. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une tourelle mitraillette. Et la tourelle mitraillette, on va la mettre où? Je sais pas encore. Oh 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 oh, super. Eh bien on va la rajouter là, la tourelle mitraillette. En plus de ça, ça pourrait aider à défendre en cas d'attaque de Pecno là. C'est ça? C'est ça. Alors attends parce que... Bien. Pourquoi tu fais ça? Non mais sans blague, pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, je ne comprends pas ce truc, mais bon c'est pas grave. C'est pas important, hein. C'est vrai que pourquoi tu pourrais, si le truc il est éteint, pourquoi tu peux pas te déplacer? C'est vrai, c'est n'importe quoi, enfin peu importe. Ce n'est point important, continuons avant la prochaine chute de météorite, parce que sinon on va être encore une fois dans la mélasse.
Il me faut encore un tube, deux tubes. Qu'est-ce qu'il me faut là? Composants de construction, ok. Alors, composants de construction, composants de construction, où es-tu? Là. On va tout prendre, j'ai plus beaucoup de moteurs, on va également prendre des moteurs. Par 50, allez. Parce qu'on est des oufs. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Des mini-bars là. Des mini-bars, elle est bien bonne. Nul à chier à ce, nul à chier. Exactement, ouais, ça. On sait jamais. Allez, go. On se rajoute encore un petit étage ou pas? Peut-être bien hein. Non. 9. Regarde-le. Il est pas foutu de se poser dessus, ce gros con. Mamma mia. Ok, et maintenant on peut poser notre tourelle. Alors, armée, outils, tourelle, tourelle. On est bien. Non. Bon, soit. Alors, je crois que j'ai plus de bouteilles d'hydro. Ouais, voilà, tout est vide. Et elles sont automatiquement déplacées vers je ne sais où. Je serais quand même curieux de savoir où elles sont déplacées. Parce que si déjà on peut jeter un coup d'œil. Ah c'est pas. Non, ah c'est pas. Gatling turrette. Tiens donc, c'est intéressant ça. Est-ce qu'on a encore des munitions? Non. Production. Conteneur de munitions. Conteneur de missiles. Oh, il va falloir vachement plus de trucs là. Lingot d'uranium, lingot de platine également. What the fuck, mec? Ok. Ça craint un tout petit peu ça, non? Bon, toujours est-il, il faut qu'on fasse cette tourelle là, vite. Composants de construction. 10. Tac. Alors, on va y arriver, hein, les amis, on va y arriver, pas d'inquiétude, un moment ou un autre, ça passera. J'ai plus de composants de construction, tu vas me dire? Really? Mamma mia. Ok, maintenant on en a 10. Ah, il va falloir que j'aille miner, hein, également. Non, la blague, putain, je te jure. Je vais le gifler. Et bien entendu, le truc, il est là. Sinon, c'est pas drôle. Ok. Quelle blague. Putain. Jetpack, énergie insuffisante. Voilà, prends ton temps surtout pour recharger. Et pourquoi il recharge pas dès que c'est vide? T'as que ça à foutre, non? Anyway. Tirer une fois, non. Rayon de visée 800 mètres, ça c'est bien. Activer les mouvements de balayage, on. Viser les météores, on. Viser les objets en mouvement, off. Viser les missiles. Cibler les petits vaisseaux, les grands vaisseaux. On va enlever ça. Viser les personnages, on. Ok. Alors, je vais vraiment limiter les tourelles. Ouh, t'as failli tomber toi. Je vais vraiment limiter les tourelles, putain c'est vrai qu'il faut que je répare ici aussi. Au tir météorite. Voilà, c'est ça. On va tirer sur les météorites uniquement et au moins on a une défense, on a une mini défense contre les météorites. Et on a la grosse défense missile contre notre ami l'enflure de première là. Il faut que j'aille trouver du minerai. Plein de choses d'ailleurs. Ça va être intéressant. Alors, y réparons un petit peu quand même, parce que c'est dégueulasse. Et reconstruisons. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Hop. Et
hop, super nice. Bon, maintenant, est-ce qu'on avait démonté le vaisseau qu'on avait... ouais, on l'avait démonté. Je sais pas où est-ce qu'il m'a planqué et où est-ce qu'il m'a mis les différents trucs. Oh putain, il y a un panneau solaire qui est tombé là. Ah, tu déconnes. Ah non, non, tu déconnes pas, d'accord. Merde, il y a deux panneaux solaires qui sont tombés en fait. Mais ça a défoncé le con. Ok. C'est super. C'est super. Alors attends, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce que j'ai sur moi là? J'en ai 47. Ça va pas le faire. Hein. Il y en a encore combien qui tournent là? 3, 4. 4 ici, ok. 4, ça fait 8 là-bas. 8 et j'en ai 2 en moins ici. Ok. D'accord. Voyons voir au niveau de la... C'est quoi ça? C'est juste un tube qui sort? Ok. Ok, ok. Très bien. Je suis vraiment curieux de voir le prochain vaisseau qui approche là, parce qu'il va se faire défoncer le cul. On va changer un truc ici aussi. On va mettre... Viser les météores, ouais, absolument. Cibler les petits vaisseaux, non. Et cibler les grands vaisseaux, non. Viser les personnages, oui, bon, ça, oui, si jamais toutefois ça arrive. Mais bon, je ne pense pas. On pourrait encore se rajouter une tourelle, mais bien haute cette fois-ci. Encore plus haute que les autres. Mais ça prend peut-être un peu too much. En même temps, les deux trucs de... Ouais, ils étaient là, quoi. Ouais, ils étaient là. Alors, attends. Tous les blocs... tous les blocs, on va trouver. Solaire. Voilà, parfait. T'as disparu. Carrément. Je sais pas où t'es. Ah, si, t'es là. Parfait, c'est ça que je veux. Ne bouge plus, photo. Voilà. Et on réparera et on construira quand on pourra en fait. Hein. Concrètement, c'est un peu ça le concept. Maintenant, ouais, on peut éventuellement construire de la mitraillette supplémentaire là. Je suis en train de me dire. Alors peut-être à la même hauteur en fait, ce serait peut-être mieux. Ouais, ce serait peut-être mieux. Donc on va... Ouais, ça paraît bien. Ça paraît bien. On va challumer ça. Composant de construction. Merde, c'est vrai qu'il m'en faut encore des trucs. Putain, j'hallucine. Quelle galère. Alors, production. Ou peut-être pas 100 quand même, hein. Ouais, par 10, c'est bien ça. Voilà, ça me paraît bien. Ok. On va laisser construire un petit peu. J'ai plus beaucoup de fer, j'ai plus beaucoup de rien. Faut que j'aille miner absolument. Donc on va prendre notre vaisseau de minage après, on va faire un petit tour. Et également, on va réparer la pente là, parce que c'est un peu dégueu. Et j'aime pas quand c'est dégueu. Voilà. Donc on va faire ça. Et bah bien sûr, on va d'abord finir notre petite tourelle anti-tout. Et ça me paraît ok, et ça me paraît ok au niveau de la défense, on est plutôt... On est mieux là, on est carrément mieux. Non, tu veux pas? Qu'est-ce qui te manque? 12, ok. Rappelle-moi, il te faut un... Des constructions pour cette merde ou pas? Aussi? 12, ça fait 42. 42, la réponse est 42. Ok. Voilà. Je sais pas ce que faire. Nice. Nice. Okidoki. Alors on fait quoi? On doit éliminer maintenant quoi. C'est ça que tu veux me dire? Visiblement c'est ça que tu veux me dire. Ok, bon très bien. Dac. Alors je sais pas comment t'arrives à m'en sortir là.
41, 42, bah si t'as réussi à m'en sortir 42. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, voyons voir. C'est n'importe quoi. Ce jetpack c'est n'importe quoi. Je ne contrôle rien, je ne sais rien, je ne sais rien faire avec cette merde. Ah, attends. Hein? Voilà. Comme ça. 5. Non, pas 5, 8. Oh, attends pour moi. Vas-y, refile. Oh, tu es un génie. Ok, nice. Hop. Stop. Va pas trop loin, toi. On a accès. Nice. Alors, tir activé en moins, balayage, viser les météores. Absolument, viser les grands vaisseaux off, viser les petits vaisseaux off. On a 3 tourelles anti-météorites et on a une tourelle missile contre le QQ qui va débarquer par là-bas. En plus, la tourelle missile est parfaitement placée. Il va se la prendre en pleine poire et il va tomber juste devant comme une vieille merde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décharger de toutes les cochonneries qu'on a sur nous. À savoir tout ça, là. Hop. Ouais, mais du coup, ouais, ça m'arrange pas, en fait, si tu mets tout ici. Petit con. Ah, petit con. Ouais, parce qu'après, il y a tout qui va être mélangé, il y a plein de trucs qui vont être un peu partout, et ça va être un peu la merde. Mais alors, attends, parce que du coup... Ouais, voilà, il y a du fer dans l'assembleur, dans la raffinerie, là. Pourquoi tu ne le mets pas directement dans l'assembleur, hein? Tu me fais chier, je te jure. Et voilà, tu vois, je savais qu'il y avait encore des trucs ici. Mamma mia. Anyway, toi, tu dégages. Toi, on va te poser là. Faudrait qu'ils inventent un bouton. Il n'y a pas un truc comme ça, si ça se trouve, je ne le sais même pas, et ça existe. Mais un bouton qui permettrait de balancer toutes les ressources sur l'endroit qu'on a envie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oxygène générateur. Ah bah voilà, ça explique tout. Filtrer les objets stockage. Ok, ouais, bah c'est super. Voilà. Bah voilà, on en a du fer. Qu'est-ce que tu me fais chier? Ah, mais ce fer, en fait, je sais d'où il vient. C'est des saloperies qu'on répare. Ou... Ok, maintenant j'ai capté. Oh mon dieu, putain, assaut, arrive, merde. Oui, je suis en route. J'arrive tout de suite, je prends le train. Je suis là dans quelques instants. On va prendre un peu de ça. Genre 250, ou peut-être pas 2500 non plus. Bref. Voilà. Il va faire nuit, on dirait, ouais. Ok, et on va réparer cette pente rapidement, histoire que ça fasse un peu plus propre, un peu plus joli, un peu plus sympathique à regarder. Parce que c'est un peu dégueu, là. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira miner, récupérer quelques ressources, et ensuite, je pense que j'attaquerai les différentes, comment ça s'appelle, les différents blueprints, là, qu'on a, là, les trucs un peu en holographe. Ou en hologramme, pas holographe. Hologramme, voilà. Et voir ce qu'on peut faire avec ça. Ça peut être marrant. J'aime bien le dropship là. Ça a l'air assez rigolo. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces cochonneries là qu'ils nous ont mis? Grand bloc, donc ça c'est sûr. Il y a du blindage lourd, j'ai vu. Et il y a du blindage léger. Qu'est-ce qui est quoi? Le blindage lourd est au-dessus, ça c'est évident. Et ça c'est du blindage léger alors? Ok. Pente en blindage léger. Et pente en blindage lourd. Et au-dessus, c'est de la pente en blindage lourd également. D'accord. Alors, attends, voir. Il est où? Plante en... Plante. Oui, c'est ça, ce. T'as raison. Ouais, c'est ça. Ça, c'est là-haut. Visiblement. Ouais, je dirais que c'est ça. Il faut des grilles métalliques et des plaques d'acier pour cette merde. Sans blague. Tu déconnes?
Non, 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 tu déconnes pas. Il faut 18 grilles métalliques pour cette saloperie? Non, la blague. No joke, sérieusement? J'y crois pas. Ok, bon ben, soit, très bien, y a pas de problème, regarde. Hop, montre-moi les... Hop, t'as vu ça? 2 secondes et demie, ça m'a pris, allez! Je suis perturbé, ça n'a pas la même couleur. Comment on fait pour changer la couleur d'ailleurs? Tiens, c'est quoi ça dans les options? Ah oui, d'ailleurs, accessoirement, on va sauvegarder. On ne sait jamais ce qui peut se passer, parce que là, on est encore vivant, donc voilà. Contrôle, général, outil arme, système, spectateur, non. Outil arme. Je suis déséquipé, ok, non. Outil arme 2, barre d'outils suivante, objet, non. Système, terminal inventaire. Maintenez, train d'atterrissage, fenêtre de discussion, console, allumée, blablabla. Amortisseur inertiel, ouais, ça je sais ce que c'est, vue première. Non plus. Mode de construction, B. Utiliser la symétrie, N. Ah, mais c'est vrai qu'on a la symétrie dans le jeu. Station rotation, B. Ok. Navigation, ce n'est pas ça. Général, ce n'est pas ça non plus. Comment fait-on pour changer la couleur des blocs? Je ne sais pas du tout comment on fait pour changer la couleur des blocs. Bon, si vous savez, vous savez quoi? Si vous savez dans les commentaires, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que je n'ai pas la moindre idée. Et vraiment, je ne sais plus du tout comment on fait pour changer la couleur. Ensuite, il me faut ça en léger, je crois. Je crois que ça ressemble à ça un petit peu. Ouais, voilà. Si on tourne, quelque chose comme ça. Apparemment, c'est juste... Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être bien. Ok, et maintenant blindage lourd pour finir. Du même, de la même tronche, c'est ça. Hop, hop. Suffit de tourner. Voilà. Quelque chose comme ça. Et on a réparé notre petite base, super sympa. Plaque d'acier, oh putain. Sans déconner, il faut tellement que ça. Attends, il me faut quoi là? 200 plaques? What the fuck, mec? Ah putain! On ne sait pas pourquoi il n'est pas monté jusqu'en haut, ce n'est pas important. Peut-être que la nuit il y a un peu moins de. Enfin, ouais, bref, va savoir. Il prend toi le mur, c'est ça? Ça te fera peut-être du bien! Pauvre. Ouais, tu sais quoi, prends tout. Ah non, on peut pas, d'accord, ouais, y'a pas de problème, il me fallait combien? Je sais déjà plus parce que j'ai une mémoire de merde. On va dire 110. Voilà, ensuite, plaque, il m'en fallait en masse. 300, ça devrait suffire. Et après, il fallait quoi d'autre? J'ai oublié. Gris métallique qui est plaque d'acier. Ouais, t'es marrant, t'es mignon, mais c'est quoi le composant? Je sais pas si j'ai assez. On verra bien. Hop. Mamma mia. Energy low. Energy low. Alors. Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai dit. J'ai pris une capture d'écran également. Ok, bon, très bien. Non, mais entre les cas, les thés, les trucs, je suis perdu, moi. Je ne sais plus. Hey, mais met encore le jetpack. Et je suis fatigué également. J'ai passé vraiment une nuit de merde. Bien. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Combien de temps il me reste de cet épisode-là? Pas grand-chose, hein. Dammit. Bien, heureux les amis, j'ai dû recharger la partie, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, on va pouvoir faire un essai des mitraillettes puisqu'il y a une chute de météorite qui approche, donc ça c'est très bien. Je suis super content. On va voir à quoi ça ressemble. Ok.
Ah oh. Bah oui, reste allumé. Incroyable, ce jetpack. Oh, problème réglé. Efficace. Efficace, ouais, carrément. Alors, je me suis dit qu'on allait pouvoir miner, les amis, mais malheureusement, au niveau du temps, ça paraît charrette. Du coup, on se réservera le minage pour un autre épisode et je vais essayer de voir. Parce que je crois pas, j'ai pas trouvé de. Comment dire, d'antenne de détection de trucs sur ce vaisseau. Alors, déjà, on y voit que dalle. Ouais, bon, on va pas. On s'en fout, c'est pas important. Panneau de contrôle. Drill ship antenna. Drill ship atmosphère. Batterie, 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 caméra. Capteur. C'est peut-être ça. Ah non, on dirait pas, non. Étendue arrière avant. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Détecte les joueurs, des objets flottants. Détecte les stations, les grands vaisseaux. Ah, détection d'astéroïdes, voilà. Non, pas des. Non, ouais, j'attends pas. Attends. Pour répondre à ma question. On va aller là. Oh putain, à chaque fois il faut l'éteindre ce truc. Il peut pas s'éteindre automatiquement. Non mais ça m'énerve, je te jure. Anyway. D'accord. Il y a carrément un truc de. Ouais, ça marche. Antenna hors détecteur. D'accord. Health low. J'ai pas beaucoup de vie. Ouais, c'est pas grave. Your health is critical. 4% 5% et je meurs. Pourquoi? 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 Pourquoi je suis mort là? Meteor storm inbound. Sérieusement? Franchement, eh, c'est un peu du foutage de gueule quand même, hein. Le nombre de météores qui me tombent sur la gueule est quand même assez flippant depuis le début. C'est. Enfin bref. Du coup, j'ai pas fini mon histoire là. Ah, il va commencer à faire jour. Il commence à faire jour de nouveau. D'accord, très bien. Alors, oxygène non. Ça explique. On va mettre le casque. Ah oui, je perds. Je perds de l'oxygène, regardez, c'est très intéressant. Et si je mets là-dedans. Je ne comprends rien du. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis à 34% de vie. Bon bref, là au moins il me baisse le. Bref, ok. Si on rentre dans ce cockpit là, il n'y a pas l'oxygène, du coup on meurt. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Alors, panneau de contrôle, on y arrive. Détecteur de minerais. Alors, quelle est la différence entre ça et ça? Antenne hors détecteur. Ah, c'est une antenne standard, d'accord, ok. Et son rayon de diffusion, c'est 10 km aux alentours, ok, d'accord. La batterie. Comment fait comment elle fait pour se recharger cette batterie? C'est une bonne question, hein. Détecteur de minerai. Donc c'est ça qu'il me faut en fait. Détecteur de minerai. Transmission via les antennes. Transmission via les antennes. Ça pareil, je ne comprends pas vraiment. En tout cas, l'antenne là, voilà. La hors détection, je suppose que c'est toi. Ok. T'es quand même gros, hein. Mine 2, si c'est toi. Ouais, non, c'est la batterie. D'accord. Et donc, ça doit être l'antenne. Enfin, la hors détection, quoi. Ok. Bon, j'ai pas l'impression que. Pourquoi? J'ai plus d'hydrogène sur moi, tu vas me dire? Ah bah non. D'accord. Donc on va devoir y aller à pied. Mais j'ai pas eu l'impression que qu'il y avait de. Comment dire, de. Blablab. Du truc là. De une hors détection sur ce vaisseau.
Parce que j'étais rentré dedans déjà. Donc on va jeter un coup d'œil rapide pour confirmer mon truc. Alors, panneau de contrôle, drill ship, antenna, drain, atmosphère, machin, coin, contrôle, contrôle à distance. Contrôle à distance. Pilotage automatique. Collision mode, précision mode. Mode patrouille. Waouh, attends, what? Tu peux faire un contrôle à distance sur ce truc et en plus de ça, tu peux faire une patrouille, tu peux créer des points de cheminement et tout. Sérieusement? On peut donc faire des drones. Je sens qu'on va s'amuser, les amis. Je sens qu'on va s'amuser, ça va être bien. Non, vraiment, ça va être bien. Ok, bref, on fera ça alors dans un autre épisode. J'ai déjà quelques idées là qui viennent de me traverser l'esprit. Ça va être vraiment dégueulasse ce qu'on va faire. Oh putain, c'est génial. Très bien, très bien. Donc, capteur. Non, le capteur, ce n'est pas ça. Donc, il n'a pas. Ce vaisseau n'est pas équipé d'une. D'un. Oups. Autant pour moi. Attends, tu t'es déplacé là? Ah, tu t'es déplacé. Ok, très bien. Si tu voulais bien peut-être te remettre sur le trou, s'il te plaît. Ah voilà, merci, tu me fais plaisir. Non, vraiment, tu me fais plaisir. D'accord. Donc, alors attends, on va se débarrasser des lights. Donc on va juste rapidement, avant d'arrêter, regarder combien ça coûte et ce que c'est exactement cette hors détection truc. Et si on peut la trouver et où ça se trouve, une ogive, ouais, pourquoi pas, on peut faire un truc... ouais, pourquoi pas. Voyons voir. C'est où ce truc là? Antenne laser. Ah bah l'antenne laser, c'est ce qu'on avait avant. Sur le truc que j'ai remplacé par une mitraillette, je crois. Module d'efficacité. Je sais pas ce que c'est. Module de productivité, pareil, je sais pas ce que c'est. Réservoir d'oxygène. Ferme d'oxygène, d'accord. Chambre cryogénique. Fuck mec, je sais pas du tout de quoi tu me parles là. Panneau de contrôle, ok, ouais, bon, ça c'est ok. Une caméra, hein, un capteur, donc ça j'ai vu, ça c'est pour les trucs. Contrôle à distance, ça c'est funky. Bloc programmable, ça on avait vu dans un précédent épisode. Il y a plein de choses que je ne sais vraiment pas à quoi ça sert encore. Ah, port de hangar hermétique, ça on a à l'entrée. Détecteur de minerais, voilà, c'est toi. Et donc c'est un grand vaisseau, donc il me faut des composants de détection, ordinateur moteur, composants de construction et des plaques d'acier, d'accord. Et composants de détection, est-ce qu'on en a? Avant qu'on arrête. Composants de détection, composants de détection, je ne sais plus du tout à quoi ça ressemble. On dirait que non. Par contre j'ai des explosifs, ça pourrait être sympa ça de faire péter quelque chose avec ces explosifs. Ok, bon, anyway, composants de détection, composants de propulseur. Je peux en faire, c'est du nickel et du fer qu'il faut, ok. Est-ce qu'on peut en faire 25? Non, on peut qu'en faire 6. Et parce qu'il me manque quoi? Il me manque du nickel. Ok, donc il va falloir que j'aille miner définitivement, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi les loulous. On se retrouve pour un nouvel épisode très rapidement, je l'espère. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous voulez vous abonner parce que ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire, moi ça me fait plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde, merci beaucoup.